Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof, aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie sur le Let's Play de Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex sur PlayStation 2. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait les 5 derniers niveaux qui se trouvaient ici, on avait battu le boss final, donc Crunch avec ses masques, mais évidemment pour faire le jeu à fond, bah, il faut ramasser toutes les gemmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va commencer la recherche des gemmes et on va d'ailleurs commencer avec non pas le niveau 8, il me semble qu'il y avait un autre niveau avant ici. Oui, c'est ça, c'était le niveau 5, c'est ça. Et on est parti donc pour le niveau du réacteur réducteur, c'est parti. Alors vous le voyez aussi, hein, j'ai commencé à faire tout doucement les reliques, hein, bien sûr, hein, parce que comme je vous l'ai dit lors du let's play, je ferai évidemment les reliques, hein, reliques que vous êtes en train de voir d'ailleurs en ce moment même. Et puis voilà. Donc en or minimum, comme vous le savez. Alors pour ce niveau du réacteur réducteur, hein, si vous vous rappelez, il me fallait la gemme jaune, hein, pour pouvoir passer. Maintenant la gemme jaune, on l'a. Hein. D'ailleurs, je peux même vous faire pause pour vous montrer. Non, c'était pas là-dedans, pardon, excusez-moi. Voilà, c'était ici. Voilà, on a bien les 5 gemmes de couleur, hein, sans problème. Donc pour ce niveau, les caisses, je m'en fous un peu. Je vais quand même les récupérer si je peux les récupérer. Hein. Parce que là, le but, c'est juste d'aller ramasser la gemme jaune, voilà. De toute façon, là maintenant, vous voyez ici, le passage s'est ouvert, hein. Il n'y a plus la gemme jaune qui bloque le chemin. Aïe. Et je me suis pris la nitro dans la tronche. Ça commence bien. C'est pas grave, on recommence de suite. Alors pour aujourd'hui, on ne fera que 4 niveaux, hein, pour cet épisode. On va faire les deux niveaux classiques où il manquait une gemme et on fera deux niveaux du monde 6. Voilà, je vous le dis, notre aventure pour aujourd'hui, pour cet épisode. Oh là, ça descend. Oh, oh, oh. Putain, je vois pas grand chose avec cette fumée. Ah, oh, 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 oh putain, ouh. Et vous voyez quand même à quel point c'est difficile. Putain, la vache, la nitro, comment je l'ai pas vu. Excusez-moi pour vos oreilles, hein. Je vous le dis. Oh la vache, putain, comment j'ai... La nitro, je l'ai esquivée à la dernière minute. Oh la vache, je suis désolé pour vos oreilles, hein. Putain, la vache. J'en reviens pas, quoi. Putain, comment j'ai esquivé le boulon. Je n'en reviens pas. Mais le problème, c'est que c'est avec cette fumée rouge, on voit rien, clairement. On voit que dalle avec la fumée rouge. Hein. Clairement, je vous le dis. Oh. C'est un truc de fou, comment on voit rien du tout. Ah, oh, flûte, j'ai parti trop vite. Je suis parti trop vite. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on repart de suite. Ah, je suis dégoûté, putain. Alors la gemme, évidemment, vous l'avez compris, elle se trouve au bout du chemin, hein, bien sûr. Allez, on y va tranquillement. Pépère. Hein. Ok. Pour l'instant, ça va. On gère la fougère. Là, c'est deux. Je suis dégoûté parce que je la tiens pas pour l'instant, là. Bon, après, niveau vie, bon, ça descend quand même, hein, donc faut faire attention. Ouais, c'est que les nitros, c'est ça aussi, c'est qu'elles sont vachement proches les unes des autres. Alors pour esquiver tout ça, faut bien connaître le tracé, hein. Clairement. Voilà, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Hop, parfait. Non, oh, punaise. C'est pas possible. Et je me prends toujours la même en plus.
Ah, ça y est, maintenant j'ai un masque. Bon, maintenant que j'ai un masque, ça devrait aller tout seul, normalement, j'espère. Parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même, là, hein. Allez. On ne perd pas de temps. Non, mais... Ouais, c'est qu'à coup, il gêne le passage... Enfin, il gêne la vue, c'est un peu chiant, ça. Oh. Ok. Ok. C'est deux coups ici. Là, on descend. Là, ça va être à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parfait. Là, on remonte. Là, ça va être trois coups à droite, un coup à gauche. Là, c'est deux coups à droite, un coup à gauche. Ah, aïe, 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 aïe. Ça y est, je fais nimp. Je fais nimp. Voilà, elle a jamais d'ici. Quand on sait bien s'y prendre, ça va tout seul, hein, clairement. Parce que là, j'ai joué un peu au couillon, mais... Normalement, ça va tout seul, hein, clairement. Clairement. Ok. Et voilà, ma gemme blanche, parfait. Pour ce niveau-là, on est bon. Allez, on enchaîne avec le niveau 8, le Banzai Banzai. Souvenez-vous, il me fallait la gemme rouge, hein, pour pouvoir... passer au passage, au second passage, je vais y arriver. Et maintenant qu'on a la gemme rouge, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Donc évidemment, le chrono, je ne vais pas le prendre. Oh, mais tu... Oh, ça commence bien, dis donc. Oh oui. Ah, oh, ça commencera bien, là. Oh, mais... Premier saut, premier fail, quoi. J'adore ma vie. Ok, checkpoint. Alors, on va essayer de faire ça en speedrun, hein, quand même. Hein. C'est pas trop beau. Mais... Oh, c'est pas possible. Nom de Dieu. Non mais c'est bien de faire ça en speedrun, mais bon, faudrait peut-être se trop se planter quand même, hein. Je vous le dis. Allez, voilà. C'est pas compliqué. Bon, les caisses, je m'en fous, hein. Clairement, les caisses, c'est pas ça qui m'insupporte. Putain, j'ai vu que j'avais pas le toucher, le lézard. Mais si, c'est bon. Ok, checkpoint. Le masque en haut, là, on va le récupérer. Hop. Voilà, ici. La gemme rouge. C'est parti. Avec une zone remplie de nitro. Attention, ces cartes. Parfait. En coucher, toi. Bah, si le ninja fait tout sauter, moi, ça m'arrange. Voilà, on va attendre un peu. Non, on va attendre. On va pas se précipiter. Voilà, très bien. J'aime bien le petit dragon. Là, il faut que je passe ici. C'est ça. Allez, vite, 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 vite. Aïe. Attention. Je l'avais! Oh, du con, je le tenais! Punaise! Bon, c'est pas grave, on y retourne de suite. Oh là 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 là! Oh, dégoûté, punaise! Je le tenais! Je le tenais, je suis dégoûté! Je le tenais là! Je le tenais! Je le tenais, mais je me suis foiré! Se recule. Voilà. Parce qu'en fait, le truc c'est. Dégage! Dégage. Oh, mais je suis deg. Bon, tu peux avancer, ma petite coco, là. Merci. En fait, c'est con parce qu'il y a un mur invisible. Tu peux pas sauter comme tu veux. Ça, c'est chiant, ça. Il y a un putain de mur invisible qui est super chiant. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien. Bref.
c'est pas grave. C'est pas grave, on est au bout. Et on a récupéré la super attaque Saupuis plat. Donc ça, voilà, c'est juste ça, hein, tout simplement, qui est plus puissant. Hein. Et voilà ma gemme blanche, parfait. Du moins, on a récupéré un nouveau pouvoir, ça c'est bien. Bon, pouvoir qui sera d'aucune utilité, clairement, je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce pouvoir-là, d'ailleurs. Complètement un con, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Et voilà ma gemme blanche, parfait. Donc en fait, le perso plus plat, voilà, c'est ça. C'est un plat plus puissant, hein, tout simplement. Mais bon, on s'en fout un peu, puisque c'est pas ça dont je vais me servir le plus, je vous le dis. Allez, monde numéro 6, c'est parti. On va commencer avec les deux premiers niveaux. J'ai déjà ramassé 10 reliques, je peux même vous le montrer. Voilà, j'ai déjà ramassé 10 reliques. Donc du coup, j'ai accès aux deux premiers niveaux. Et on est parti donc pour le niveau du chevalier du soir, c'est parti. Qui se joue une fois de plus avec Coco. Et là, vous le voyez peut-être en haut, il y a une luciole. Donc évidemment, il faut la suivre, la luciole. Et ne pas la perdre de vue, parce que sinon, si vous foirez de trop, bah, la luciole va partir très loin. Et si elle part trop loin, bah, vous risquez de vous retrouver dans le noir. Ce qui n'est pas très pratique, je vous l'accorde. Tu peux dégager, toi. Merci. Attention, le magicien. Alors il y a aussi deux gemmes à récupérer dans ce niveau, sachant que la deuxième gemme est cachée. Donc ce sera à vous de la trouver. Bon, sachez qu'elle est cachée, mais elle n'est pas si bien cachée que ça, hein. Vous allez voir ça. Allez, vas-y. Hop, hop, hop. Très bien. J'ai eu les trois, oui, voilà. Je voulais avoir les trois. Parfait. Allez, vas-y, monte. Hop là, parfait. Alors ici. Alors voilà, vous le voyez là-haut. Voilà, la gemme est ici. Donc au moins pour la gemme, on est bon. Enfin, pour la gemme cachée, on est bon. Je n'ai plus moi-même qu'à choper la gemme des caisses. Oui, alors là-bas, il n'y avait pas rien, hein, normalement. Allez, checkpoint. Et on enchaîne. Allez, vite, 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 parfait. Très bien. Parfait. La petite vie, on n'oublie pas. Le masque ici qui me rend invincible. Et on se dépêche. Même si franchement, l'invincibilité ici, pour ma part, voilà, n'est pas très utile, je vous l'avouerai. Voilà, il y a encore une invincibilité. Ici, si vous le souhaitez. Bon, celle-là, elle va être un peu plus utile pour le coup. J'aime plus s'il y avait quelque chose là-bas, non? Je crois qu'il n'y avait rien. Ok, parfait. Allez, vas-y, monte, grimpe. Oh, il n'y a rien derrière là? Non. Ah non, il faut que je monte ici, c'est ça. Vas-y, passe là. Hop, hop. Aïe! Attention, va-t'en. Hop. Ah, on n'est pas bon. J'ai oublié deux caisses, mais c'est pas possible, j'ai oublié où? Oh non, mais non, j'ai oublié deux caisses. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas, j'en ai zappé deux, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas, mais ça c'est mon truc à moi, ça, de oublier des caisses. Évidemment, ça c'est pas drôle. Oh, mais où j'ai raté deux caisses encore, c'est dingue. Impossible. Bon ben du coup on y retourne. Oh, j'y crois pas. Thank you.
Bon bah c'est reparti, mais j'y crois pas. Où est-ce que j'ai oublié une caisse? Enfin deux même. Deux caisses. C'est dingue. Où est-ce que j'ai pu oublier deux caisses? J'en reviens pas. Y'a rien au-dessus hein, non on est d'accord. J'en reviens pas. Où est-ce que j'ai zappé deux caisses? Pas possible. Tu peux le... voilà. Attention, magicien. J'en reviens pas, j'ai raté deux caisses, j'en reviens pas. Où elles étaient? Alors là, je suis vachement étonné, franchement. Bon, là, il y en a une. Là, ici, tu vas m'en péter deux. Tu vas me passer à 11, c'est ça? Ok. De toute façon, il n'y a pas de bonus hein, dans ces niveaux-là. Là, ici, il y en a 3. On est bien d'accord. J'y crois pas que j'ai raté deux caisses, quoi, j'en reviens pas. Alors là, si ça tombe, c'est deux caisses à la con. Ouais, ici, il n'y a pas de caisse non plus, on est d'accord. Il n'y a pas de caisse là. Non, non, non. Ah, punaise. Bon, là, tu me pètes tout. Mais non. J'ai chu. Oh, c'est pour vrai. Le problème, c'est que j'ai plus de masque maintenant. Je suis bien dans la mouise. Bon, au moins, je pourrais peut-être un petit peu plus concentré. Ah, c'est ces deux-là, mais qu'il est couillon. C'est ces deux-là que j'ai oublié. Qu'il est bête. Bon, bah, c'est bon, on sait lesquels que j'ai oublié. Ah, oh, qu'il est débile. C'est ces deux-là que j'ai oublié. Oh, qu'il est con. Oh, sans déconner. Ben oui, c'est ces deux-là que j'ai oublié. C'est les caisses verrouillées. Oh, bordel. Bah ouais, mais si j'oublie des caisses bêtement aussi. Ok. Vas-y, 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 fonce. Oh, j'en reviens pas, punaise, j'en reviens pas. J'ai oublié les deux caisses verrouillées, j'en reviens pas. Allez go, pense. Monte invincible. Bon, normalement ici il n'y avait rien, hein, normalement. Hey. Ok. Voilà. Attention, il y avait une nitro, hein, ouais. Vas-y, recule. Bon là j'en ai pas oublié, là, rassure-moi. Mais non, c'est bon. Ok, parfait. Ouh, on est bon. Parfait, on est bon. Et on est parti pour le niveau de la ville fantôme, c'est parti. Alors pour ce niveau de la ville fantôme, donc vous voyez, on fait une course face à Crunch. Et le but du jeu, bah évidemment, c'est de le battre à la course. Alors franchement, pour ce niveau, je vous le dis personnellement. Et voilà, bah déjà j'ai raté une caisse. Et je me suis fait avoir comme un couillon. Alors c'est à vous de bien gérer hein, les virages et tout. Hein. Par contre, mon cher Crunch, je suis en train de me gêner à mort, je te le dis. Tu me casses les pieds. Parce qu'avec toi, je vois rien. Espèce de con. Oh, oh, mais putain, pourquoi je descends? Ok, il est parti de l'autre côté. Aïe. Ah, ça y est, il m'a doublé.
Et je suis parti du mauvais côté, je crois. Ouais. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va essayer au moins de le battre à la course. Ce sera déjà une bonne chose. Oh, mes flûtes. Je suis clairement foiré. Bon, c'est pas grave, on recommence de suite. Alors ça, c'est un niveau qui est vachement casse-pied. Notamment en ce qui concerne les caisses, parce que les caisses sont placées, mais d'une manière, mais bien casse-pied comme il faut. Ok, parfait. Parfait. Là, ça va. Pour l'instant, je me démerde pas trop mal. Pour ce premier tour, ça va. Ok, fin du premier tour. Bon, les caisses, pour l'instant, ça va. En revanche, en ce qui concerne Crunch, ça va pas du tout. Parce que là, je suis pas prêt de le battre. Mais clairement pas, là. Sinon, punaise. Sinon, pire, on va choper la gemme des caisses. Ah, punaise. Ça serait bien si je peux tout choper aussi, hein. Ok. Fait. Très bien. Alors, les caisses interrupteurs aussi, hein, il faut les activer, hein, bien sûr. Si vous les activez pas. Est-ce qu'il y a dans la mouise? On a combien? La 38. Non, là, je reste tout droit. Là, pareil, je reste tout droit. Voilà. Alors là, par contre, je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Non, je suis bon, là, je crois. Hein. Parce que là, je vais péter la caisse interrupteur là-bas. Celle-ci. Voilà, et je vais péter celle-là. Et on est bon pour la gemme, parfait. Au moins la gemme des caisses, on l'a. Il reste plus qu'à choper la gemme face à Crunch. Ok. Allez, on est reparti pour la gemme de victoire face à Crunch. Alors par contre, je sais plus du tout c'est quoi le chemin le plus rapide par contre pour le niquer. On va essayer de prendre le chemin le plus rapide, mais je sais plus c'est quoi. Je vous le dis. On va essayer de faire les choses simplement. Voilà. Là, je vais rester par là. Voilà. On va prendre le chemin le plus court, hein, clairement. Voilà. Attention. Parfait. Ok, premier tour passé. Deuxième tour. Pam pam pam. Bon, normalement, face à Chrome, c'est pas dur. Hein. Si on prend le chemin le plus court à chaque fois, normalement, ça va tout seul. Mince, là, je suis pas passé du bon côté, mais c'est pas grave. Je me demande même si c'est pas le chemin là le plus court, franchement. Là, tu restes par là. Tu restes ici. Ouais, parfait. Très bien. Et on est parti pour la dernière zone. Donc, on refait la même. Puis, normalement, je crois qu'on devrait être bon, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà, suffit à chaque fois de prendre le chemin le plus court et ça va tout seul. Hop. Voilà. Et on est bon, parfait. Et voilà ma gemme blanche de la course. Impeccable. On est bon. Et bah écoutez, on est bon pour ces 4 niveaux. Bon, la vidéo sera un peu plus courte, hein. Là je vois mon chrono, on est à 25 minutes. Bon, ça aurait été un peu plus court que prévu. Mais en tout cas, on aura fait 4 niveaux à fond. Donc on va pouvoir s'arrêter là tranquillement. Sans problème, j'ai envie de vous dire. Sans problème. Voilà. Allez, on va pouvoir s'arrêter là. Donc c'était Top Top donc, pour cette 6ème partie sur Let's Play de Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, qui sera très certainement le dernier, on fera les 3 derniers niveaux qui se trouvent ici, où il faut 15, 20 et 25 reliques. Et on ira affronter ben, Crunch pour la deuxième fois. Avec tous les masques, bien entendu. Et en attendant, ben, moi je vous dis...
la prochaine tout le monde.